Le bac, le TP, attention, on a le TP de pont. Ouais, il y a le TP sur point également. Kirlov qui n'est pas loin. Attention, c'est parti. Le TP est lancé. Corwan dans la mêlée. L'ulti a pas de Renover. La tête du vent. First blood pour le kill d'Ethnatic. Paul qui récupère le kill. La cage était bonne. Ouni dans la mêlée. Femiven en danger. Beuron dans la mêlée. Double kill. Il va l'avoir Femiven. Ouni va tomber finalement. Kirlov qui affronte le 1v1 contre Femiven. Les dégâts sont bons. Il va s'amuser. La chaîne qui nous fait le kill de la part de Rainover. Pour l'instant, Ouni qui arrive à faire un excellent enchaînement mécaniquement. Coro Gabi le kill, le flash qui prend le meilleur tout de même avec deux niveaux d'avance. Donc, Rainover, on enchaîne, le convoi est là. Pam ne peut rien faire. La meuguée des troquettes qui le frappe de plein fouet. Reclet enchaîne, la T1 est libérée pour les Fnatic qui vont maintenant s'avancer pour une prise de T2, Sean. Eh oui, la Gragas est vraiment plus buggée. On l'a senti hein, sur ce combo. Très très bon choix. Et aussi TP bouche apportée par la Riven. Attention Ouni effectivement. Le TP d'Ouni. Attends, mais il risque de croiser la Fiora. Edward Gaming va mal finir. Ils n'ont plus de terrain l'Edward Gaming Ouni. Ouni qui va lâcher l'ulti. Rainover l'ulti également. Pour temporiser la taille du vent de la part de Ouni. Ouni qui s'escape pour l'instant. Il y a le stade. C'est pas trop mal. Et le sauvetage fait Bivon. Arrive applicable le kill derrière. Attention. Est-ce que les Fnatic peuvent continuer? Pas ne peut être en danger. Rainover, tanky, mais la cage de la part de Pound. Ils vont tout mettre. Et le piltover et le kill en faveur de Pound. Mais derrière c'est Femiven qui récupère le kill sur la Fiora de Corwan. Dans ce trade, finalement, on en vient à deux points. Le deny. Ouni, c'est flash out de Kirlov finalement. Très bon black shield de Meiko. Les gagnants, je pense, pour Dragon Gaming. Yellowstar qui va manger Kirlov. Yellowstar, Lushi, Yellowstar qui tombe. Kirlov prend d'énormes dégâts. Pound, mais regardez ça. Oh, quel ulti, Rainover. Pound n'était pas du bon côté. Ouni dans la mêlée, Meiko. Le slow de la part de Yellowstar, Rainover dans la mêlée. Meiko qui va tomber double kill. Triple kill peut-être. Non, double kill. Ni toujours. Ils peuvent rien faire, les Dwarf Gaming. Regardez Ouni, Femiven là. Oh, le dash pour récupérer derrière. Est-ce qu'il va tenter d'y aller avec un flash? Non, il n'a pas, pas poussé l'action, Femiven. Un Iron Solari, on va temporiser du côté des Fnatic. Cet inhibiteur va tomber à moins que la cage de Pound. On tente la défense du côté des Dwarf Gaming, mais ça ne suffira pas. L'inhibiteur tombe en faveur des Fnatic au mid pareil. Le ciel est intenable. Kev prend un énorme critique de la part de Reckless. Fnatic continue sur sa percée, Sean. Si la cage de Pound passe sur le Femiven, il peut quand même la one shot, mais non, je pense pas que ça arrivera. Parce qu'il faut, qu'il catch également. De Rainover, c'est lancé. Def ne peut rien faire. Rainover dans la mêlée. Oh, la Megus Rocket. Vous avez vu la Megus Rocket? Ouais. Oh, le flash est derrière Ouni. Ouni qui enchaîne. Oh, Ouni qui va tomber. Un mort du côté des doigts des mines. Mais on doit concéder cet inhibiteur. Ça va être la game pour les Fnatic. Le faire. Femiven qui tente Megus Bell Cage. Et tout de suite, Yellow. Ou le flash out de la part de Yellowstar. On ne risque rien face au Vega de Pound. C'est derrière tour de Nexus qui va tomber. Les Fnatic le font. Les Fnatic sont à 2-0 dans ce quart de finale. Quel BO5 de la part des Européens. Edward Gaming est KO.